En 2011, quand mon père me retraite depuis l'UNESCO, je retourne à Maurice, je fais beaucoup de réflexions sur ce que je peux faire après mes 60 ans. Et nous finissons enregistrer Global Rainbow Foundation le 11 novembre 2011. Et pour moi, avec sa création Global Rainbow, c'est comme un enfant qui naît. Nous commençons dans un bâtiment bien modeste à Périvert. Et petit à petit, nous avons une personne. Nous commençons par une parole d'activité, surtout, ou une parole qu'on dit avant le Saint-Esprit de Dieu. Et nous faisons un salon de la rente, et facilite l'accessibilité à nos enfants. Mais c'était pour le 30 juin 2012 qu'il fait l'inauguration officielle de la GORF. Et ça nous fait ça en grande pompe au Indira Gandhi Center for Indian Culture à Phoenix. GORF, avec collaboration de l'UNBSS, un ONG de l'Inde, je commence à faire porter mon russe. Je commençais à prendre ça en 2013. Les premiers prothèses que j'ai offert, c'est le 24 décembre dans M. Tarigan. Commençons ma technicien spécialiste, qui est venu au Maurice des fois par an pour fabriquer des prothèses. Et à chaque fois, je peux donner environ 150 euros. Mais puisqu'il demande là, tout le temps peut augmenter, nous décidons pour créer une nouvelle pour technicien Maurice. Et nous avons 3 techniciens dans l'Inde pour apprendre. Et quand on est retourné, nous commençons à faire la fabrication tous les jours. Et à ce jour, nous donnons plus de 1000 prothèses à nos bénéficiaires. Prothèses qui basent 5 euros. Un pied ou un armé qui nous peut donner, mais c'est aussi un nouveau lavis qui nous peut offrir de bonnes bénéficiaires. Wow. En 2014, je rêve tout 20 à 40 euros pour être plein du monde en situation d'handicap. Là-bas, nous pouvons offrir un service médical, mais aussi training pour que nous puissions bénéficier d'un travail. Et depuis les sous création, Global Rainbow Foundation nous offre ce qu'il appelle assister devices. Par exemple, un fauteuil roulant, un fauteuil roulant manuel, un fauteuil roulant motorisé, une canne blanche. Nous avons plus de 1000 assister devices depuis nos fondations. En 2016, l'association Dr. Prabha Gavaran Charitable Trust fit offrir à nous le complexe qui nous était installé là à Petit Raffray, anciennement Gandhi Ashram et maintenant Gandhi Sarvodaya Kendra, Global Rainbow Foundation, son headquarters, et on vous a dit qu'il nous fit faire pendant ces 10 ans là un parcours qui fit permettre nous. Plus beaucoup de personnes en situation de handicap, au moins 5000 personnes nous sont capables d'accompagner, que ce soit prothèse, que ce soit une sales, que ce soit une réhabilitation et plusieurs types de services nous sont capables d'offrir. Et dans l'année à suivre, GRF il expand à 8 bureaux régionaux, à Roseville, Maipo, Belle-Rose, Unionville, Chemin Grenier, Souillac, Rodrigue et à New Delhi. En 2019, grâce à l'Union européenne, le projet Enable Mauritius peut être beaucoup bénéficié à travers Maurice et Rodrigue. Il y a 6 objectifs au projet-là. C'est fabrique prothèses pour faire une personne avec amputation, service de réhabilitation, training pour l'emploi des personnes en situation de handicap, capacity building pour une ONG dans le secteur disability, mais aussi organise un medical camps et organise une campagne de sensibilisation sur les droits des personnes en situation de handicap. Et nous remercier EU. Et grâce à Zotsuko, nous réussissons à mener un changement dans la vie de nos bénéficiaires. Pendant les 10 ans que nous servions à la communauté de personnes en situation de handicap à Maurice, nous avons réalisé que nous avons besoin de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de combats pour capable rétablir nos droits légitimes, fondamentaux. Nous pouvons continuer à faire plaidoyer au gouvernement pour amener la loi, mais nous-mêmes, nous travaillons pendant un an pour produire et poser des lois. Qui va l'expert qui vient nous. C'est un projet de loi qui est prêt et capable d'amener dans le Parlement, mais certainement le gouvernement capable d'amener sur le sens qu'il trouvait. Là-dedans, nous souhaitons, nous, à l'occasion du 10e anniversaire Global Rainbow Foundation, c'est que le gouvernement, le ministre de la Sécurité sociale, présente ça la loi pour les personnes en situation de handicap, ça l'a mis là dans le Parlement.
master plan pour Global Rainbow Foundation pour l'année 2021, 2030, 10 ans master plan, parce que nous avons envie de préparer pour capable de continuer cette mission-là dans les années à venir. Et je vous indique que moi-même, personnellement, comme fondateur Global Rainbow Foundation, continuer à améliorer nos services et reste à la disposition de la communauté africaine.